Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant justement d'en venir à notre projet du jour, une petite information importante à vous communiquer. Comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui en très bonne compagnie avec notamment le prochain et nouveau catalogue annuel 2024-2025 qui sera disponible pour vous dès le 1er mai. En tant que démonstratrice, j'ai la chance d'avoir déjà ce catalogue entre les mains. Je peux vous dire entre nous qu'il contient de véritables petites merveilles. Malheureusement, je n'ai pas encore le droit de vous montrer l'intérieur. Et j'ai même la chance d'avoir certaines des nouveautés de ce catalogue. Aussi, j'ai déjà commencé à confectionner les petites attentions qui vont accompagner chacun de vos exemplaires qui arriveront dès le début du mois de mai dans vos boîtes aux lettres. Et d'ailleurs, justement à ce propos, deux informations importantes à vous communiquer. Tout d'abord, si vous faites partie de mes fidèles clients ou clientes et que vous avez passé au moins une commande depuis le 1er janvier 2023, vous n'avez absolument rien à faire. Ce catalogue arrivera directement dans votre boîte aux lettres sans avoir à en faire la demande. Deuxième possibilité, si vous ne connaissez pas encore les produits Stampin' Up et que vous aimeriez les découvrir, je vous propose de vous offrir ce catalogue dans sa version papier gratuitement, accompagné également d'une petite réalisation faite de mes propres mains. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de me communiquer vos coordonnées postales via le formulaire d'inscription. Et pour accéder à ce formulaire, vous retrouvez le lien juste ici en dessous en barre d'information, mais également sur mon blog. Aussi, vous le savez très certainement si vous me suivez depuis un petit moment, en période d'envoi de catalogue, et afin de me laisser du temps pour confectionner chacune de vos petites attentions, je me vois dans l'obligation de réduire le rythme de nos rendez-vous créatifs hebdomadaires à 1 au lieu de 2. Aussi, et dès la semaine prochaine, nous nous retrouverons une seule fois par semaine, à savoir le vendredi, et ce projet sera disponible pour toutes et tous. Chaque vendredi, jusqu'à ce que tous les catalogues aient été envoyés. Nous reprendrons bien évidemment ensuite notre petite routine créative habituelle. Revenons cette fois-ci à notre projet du jour, avec un projet, vous l'aurez remarqué, particulièrement d'actualité, à seulement quelques jours de cette belle fête de Pâques. Je vous propose aujourd'hui le dernier projet de l'année 2024, autour de cette belle fête printanière. Et il s'agit aujourd'hui d'une carte cadre particulièrement originale qui pourra être confectionnée pour offrir comme carte de vœux, mais également comme décoration à positionner dans nos intérieurs. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près. Une véritable carte, pour autant avec un cadre en trois dimensions ici sur l'avant et notre superbe fenêtre nous offrant un magnifique paysage avec notamment notre joli petit lapin, mais également toute une décoration parfaitement dans le thème avec nos petits œufs, petits, pas si petits que cela d'ailleurs, de jolis papillons ou encore cette coccinelle, une décoration très printanière et qui appelle sans aucun doute le soleil dans nos jardins. Donc, si ce joli projet de Pâques vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur brune dune pour la base, mais également horizon de bruyère par petites touches. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur grappe gourmande, un très joli violet plein de peps, idéal pour cette jolie saison printanière.
Tout d'abord, et pour réaliser notre cadre en trois dimensions, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 cm par 18 cm. Pour apposer ensuite à l'arrière de notre cadre, afin de le rigidifier, mais également pourquoi pas d'y ajouter un petit mot personnel, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier uni, toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 12 cm par 15,5 cm. Pour la décoration de notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Lavande Vivace, une collection complète autour du thème de la lavande, évidemment dans des teintes Horizon de Bruyère, Grappe Gourmande ou encore Brune Dune, une collection douce et en même temps pleine de vie, avec toutes ces jolies fleurs et nos papillons, et qui va pouvoir être utilisée et coordonnée avec de nombreux thèmes au cours de l'année. Pour mon projet précédent, j'ai utilisé une feuille de papier avec un fond principalement en couleur Brune Dune, afin d'être coordonnée au papier qui se trouve ici sur l'avant. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons utiliser cette jolie feuille avec nos superbes fleurs en couleur Grappe Gourmande qui vont ainsi ressortir magnifiquement bien sur notre papier de base dans cette même couleur. Et pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure notamment 12 cm par 15,5 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre joli projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons prendre devant nous notre coupe-papier afin de réaliser des marques de plis dans notre morceau de papier uni le plus grand qui mesure 12 par 18 cm. En effet, pour pouvoir réaliser notre joli cadre en 3 dimensions sur l'avant, nous allons devoir réaliser dans la longueur de notre morceau de papier 4 marques de plis. Et je vais notamment réaliser une marque de plis à gauche et à droite de mon morceau de papier à 1,5 cm, mais également à 3 cm du bord. Donc je fais ceci d'un côté, je retourne complètement mon morceau de papier de l'autre côté et je fais la même chose, un pli à 1,5 cm et un autre à 3 cm afin d'obtenir 4 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Nous en avons désormais terminé avec notre coupe-papier, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons cette fois-ci non pas former nos marques de plis pour l'instant, mais au contraire, réaliser l'ouverture qui va prendre place au centre de notre morceau de papier et nous permettre d'obtenir ce superbe cadre. Pour pouvoir justement réaliser cette ouverture centrale avec cette forme si originale, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Expression Attentionnée, que vous connaissez, nous l'avons déjà utilisée ensemble. Collection de poinçons qui est également coordonnée au set de tampons où nous retrouvons notre superbe colibri, un set de tampons absolument magnifique, et où nous retrouvons à l'intérieur deux pyramides d'étiquettes allant à chaque fois du plus petit au plus grand, dans des formes originales et à chaque fois avec une jolie surpiqûre tout autour. Et justement, pour créer notre ouverture centrale, nous allons utiliser cette pyramide d'étiquettes. Et je vais simplement avoir besoin de mon poinçon, juste ici, le plus grand, que je vais positionner au centre de mon morceau de papier, à l'intérieur, entre chacune de nos marques de plis, et je vais faire attention d'avoir le même espace sur le haut, sur le bas, mais également à gauche et à droite, entre mes marques de plis. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mon ouverture centrale, et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une magnifique découpe avec de la fausse couture qui apparaît tout autour, que nous allons pouvoir mettre de côté puisqu'elle nous servira dans un prochain projet créatif. Et nous obtenons également cette super ouverture centrale, toujours avec notre surpiqûre qui apparaît tout autour.
et qui va nous permettre d'apercevoir l'arrière-plan de notre cadre. Une fois que ceci est fait, et toujours avant de former nos marques de plis, nous allons réaliser des tamponnages sur notre cadre en ton sur ton, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. C'est en effet une petite touche, mais qui agrémente superbement bien notre paysage. Et pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Lavant de Peinte, vous l'aurez compris, qui est coordonné à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui, et où nous retrouvons de superbes fleurs de lavande, du feuillage, mais également de jolis petits papillons. Nous allons, dans un premier temps, utiliser notre grand feuillage juste ici, que nous allons tamponner un petit peu partout sur notre papier uni, et notamment en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon morceau de papier, à savoir Grappe Gourmande, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé la couleur brune d'une. Et pour cela, je vais simplement positionner mon tampon sur un bloc acrylique, protéger mon plan de travail, et tamponner un peu partout mon morceau de papier à différents endroits sans forcément chercher à avoir quelque chose de bien droit. Je vais faire mes tamponnages aléatoirement pour avoir quelque chose de naturel. Mes tamponnages de feuillage réalisés en ton sur ton sur notre papier Grappe Gourmande avec la même couleur d'encre. Voici le magnifique rendu que nous obtenons. Vous le voyez que notre papier est désormais complètement différent et beaucoup plus joli en étant décoré. Cette fois-ci, notre papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir former les marques de plis de chaque côté, une dans un sens et une dans l'autre sens, pour obtenir un panneau en 3 dimensions avant de le coller sur notre papier à motif. Et pour cela, c'est très simple. Je vais plier le premier pli qui se trouve le plus proche du cadre sur l'extérieur. Et le second, je le plie dans l'autre sens. Je fais un petit accordéon de chaque côté afin, vous le voyez, d'obtenir notre cadre qui est désormais prêt. Et une fois que ceci est fait, c'est très simple, nous allons reprendre notre morceau de papier à motif. Nous allons ajouter de la colle sur nos deux colonnes de 1,5 cm de chaque côté et fixer notre panneau de papier à motif sur l'arrière. Et je vais simplement m'aligner bord à bord de tous les côtés pour obtenir ce superbe rendu. Une fois que ceci est fait, il ne nous reste plus qu'une dernière étape pour la réalisation de notre projet avant de passer à la décoration. Nous allons reprendre notre panneau toujours dans cette même couleur Grappe Gourmande qui mesure 12 par 15,5 cm et nous allons le coller complètement sur l'arrière pour rigidifier notre projet et pour par la suite y ajouter, pourquoi pas, un panneau de papier blanc sur lequel nous aurons écrit notre petit message personnel et il sera possible de le coller ici sur l'arrière de notre projet. Une fois notre papier collé sur l'arrière, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, la base, la structure de notre projet est désormais terminée. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, passer à toute la décoration. Nous allons donc mettre notre base de côté et nous allons commencer par réaliser les deux jolis œufs de Pâques qui vont prendre place ici sur l'avant. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme œufs endimanchés et où nous retrouvons à l'intérieur toute une collection de poinçons avec des œufs allant du plus petit au plus grand. Nous retrouvons également le poinçon pour notre petit lapin,
puisque ce 7 de poinçon est coordonné à un 7 de tampon où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, notre petit lapin, mais également deux grands œufs que nous pouvons tamponner et découper. Aujourd'hui, nous allons uniquement avoir besoin de notre collection de poinçons et nous allons notamment utiliser notre petit œuf juste ici qui est superbement bien détouré et décoré à l'intérieur avec de la fausse couture mais également des petits zigzags magnifiques qui offrent à cet œuf un rendu splendide et je vais simplement le découper deux fois dans une chute de papier en couleur blanc. Une fois nos œufs découpés, passés dans la machine, voici le joli rendu que nous obtenons avec tous ces superbes détails qui apparaissent à l'intérieur. Cette fois-ci, avant de poursuivre la décoration de notre projet, nous allons pouvoir reprendre notre base et nous allons coller ces deux œufs ici sur le bas de notre cadre en billets, un sur la gauche et un autre sur la droite afin d'obtenir ceci. Et je vais évidemment ajouter de la colle uniquement sur les parties basses de chacun de mes œufs. Une fois nos deux jolis œufs collés et positionnés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de confectionner notre jolie coccinelle qui va prendre place ici sur le haut de notre cadre. Pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection coccinelle, bien évidemment, qui se compose du set de tampons et de la perforatrice coordonnée que vous connaissez. Cette collection est au catalogue depuis très longtemps et nous l'avons beaucoup utilisé ensemble autour de différents projets créatifs. Attention cependant, cette collection va faire partie des fins de série du catalogue annuel qui vont être annoncées dans quelques jours. Le set de tampons et la perforatrice vont quitter notre catalogue annuel et ne seront ensuite plus du tout disponibles. Aussi, si cette collection vous plaît et vous fait de l'œil, je vous invite à ne pas tarder au risque de plus pouvoir ensuite se la procurer. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons donc utiliser le set de tampons et la perforatrice pour créer une jolie coccinelle qui, je trouve, se marie merveilleusement bien dans notre paysage. Elle est absolument magnifique. Et pour cela, c'est très simple. Nous allons découper une première fois le corps de notre coccinelle directement sur du papier blanc et nous allons ensuite réaliser ce tamponnage des ailes de notre coccinelle sur du papier blanc dans une couleur coordonnée. Ici, pour ma version précédente, je l'ai tamponné en couleur brune dune. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons à nouveau utiliser notre encre en couleur grappe gourmande. Et une fois que je l'aurai tamponné, je viendrai le découper avec ma perforatrice juste ici coordonnée, puisque nous retrouvons encore une fois la même forme que notre tampon. Tout d'abord, première étape, avant même de tamponner, je viens réaliser le corps de ma coccinelle dans une chute de papier blanc. Ici, je vais mettre les ailes de côté puisque nous allons les tamponner et nous allons utiliser le corps de notre coccinelle juste ici. Et je viens cette fois-ci tamponner ces ailes et les découper. Une fois le corps de notre coccinelle découpé, mais également nos ailes tamponnées et découpées, nous allons pouvoir les coller et les assembler pour pouvoir obtenir cette jolie coccinelle. Et j'ajoute de la colle uniquement sur la partie haute de ma découpe. Une fois notre jolie coccinelle formée, avant de la positionner sur notre joli cadre, nous allons y ajouter quelques petits bijoux, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Et pour cela, je vais tout simplement utiliser mes jolies perles écloses
en version métallisée dorée. Afin d'obtenir une coccinelle encore plus jolie. Cette fois-ci, nous pouvons reprendre notre joli cadre et nous allons coller cette coccinelle en haut, à droite, à ce niveau-là, et vous le voyez qu'elle ressort superbement bien. Une fois notre coccinelle positionnée, comme vous pouvez le voir, notre joli cadre commence à prendre forme. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons réaliser les jolis papillons qui vont prendre place également ici sur l'avant. Et pour cela, nous allons à nouveau reprendre le set de tampons lavant de peinte que nous avons utilisé tout à l'heure pour nos tamponnages en ton sur ton. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin de nos tamponnages de papillons que je vais tamponner 3 fois en couleur brune d'une, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur horizon de bruyère pour les faire ressortir. Et pour pouvoir les découper, je vais avoir besoin de mes poinçons coordonnées, qui se nomment également lavant de peinte, où nous retrouvons tous les poinçons pour la découpe de nos tamponnages. Et nous avons notamment ici la découpe pour nos papillons. Je vais pouvoir ainsi les tamponner et les découper facilement et rapidement. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre cadre, avant de passer à la dernière étape, à savoir la réalisation de notre petit lapin et du message qui va l'accompagner. Une fois nos jolis papillons tamponnés et découpés, en couleur brune d'une, voici ce que nous obtenons. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre à nouveau notre joli cadre, courber les ailes de chacun de nos papillons, ajouter de la colle uniquement sur la partie centrale et les positionner ici, au niveau du cadre tout autour. Et vous le voyez que dans cette couleur, ils ressortent magnifiquement bien. Une fois nos jolis papillons positionnés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, avant d'y ajouter les petites touches finales, nous allons nous occuper de réaliser le message, mais également notre joli petit lapin. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection Lapin de Pâques, composée du set de tampons et de la perforatrice coordonnée. Collection que nous avons énormément utilisée cette année, mais également au cours des précédentes années. Elle est en effet disponible au catalogue depuis bien longtemps. Malheureusement, cette collection quitte également notre catalogue annuel. Elle fait partie des fins de série. Et une fois épuisée, il ne sera plus du tout possible de se la procurer. Aussi, si cette collection vous plaît, comme toujours, n'attendez pas, au risque de le regretter. Je sais par expérience que les produits ayant le plus de succès partent en seulement quelques heures. Tout d'abord, pour notre projet du jour, dans un premier temps, nous allons tamponner notre petit message « Joyeuse Pâques » sur du papier blanc en couleur grappe gourmande. Et en second temps, nous viendrons tamponner notre petit lapin juste ici, que nous viendrons par la suite coloriser. Tout d'abord, concernant notre tamponnage « Message », et une fois que je l'aurai tamponné, je vais le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, je vais utiliser nos poinçons contour champêtre, une pyramide de poinçons étiquette, allant du plus petit au plus grand. Et justement, aujourd'hui, je vais avoir besoin de mon poinçon le plus petit pour le découper. Donc je tamponne, je découpe mon message et je vous retrouve juste après pour la réalisation de notre petit lapin. Une fois tamponné et découpé, voici la jolie étiquette message que nous obtenons.
nous allons pouvoir la mettre de côté. Nous viendrons fixer, coller cette étiquette par la suite en même temps que notre petit lapin. Et nous allons cette fois-ci nous occuper de le tamponner avant de le coloriser. Je reprends donc le set de tampons lapin de Pâques, mais également sa perforatrice coordonnée. Et je vais tamponner le petit lapin qui se trouve juste ici sur du papier blanc avec mon encreur noir Memento, puisque nous allons par la suite coloriser notre tamponnage avec nos feutres à alcool. Et une fois tamponné, je viens simplement le découper avec ma perforatrice coordonnée. Une fois que notre lapin est prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la colorisation. Je prends donc tout le nécessaire devant moi et je vous montre tout ça plus en détail. Pour la colorisation de notre petit lapin, nous allons avoir besoin de 3 feutres à alcool, 3 Stampin' Blends. Tout d'abord notre nuanceur qui contient une formule un petit peu particulière à l'intérieur qui nous permet notamment lorsque nous dépassons sans le faire exprès du tamponnage d'effacer ce trait pour ensuite avoir quelque chose de joli et de fini. Ainsi, avec lui, toutes les erreurs sont permises, mais il nous permet également d'apporter des zones de luminosité où nous le souhaitons. Nous allons également avoir besoin de notre feutre en couleur ivoire, mais également bronze. Et vous allez voir que je ne vais pas utiliser de technique bien particulière. Je vais simplement, avec ma couleur la plus foncée, à savoir bronze, faire tout le contour de mon tamponnage, tout le contour de mon petit lapin, et ensuite, à l'intérieur, en repassant par-dessus cette première couleur, je viendrai utiliser la couleur ivoire pour faire tout l'intérieur, et à certains endroits, je viendrai apposer mon nuanceur pour apporter un peu de luminosité, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. J'ai zoomé un peu sur le lapin pour que vous puissiez mieux voir les détails, et à noter que sur les feutres à alcool, nous retrouvons 2 pointes, une pointe feutre et une pointe pinceau. Je vais utiliser la pointe pinceau puisqu'elle nous permet d'aller beaucoup plus vite et de déposer beaucoup plus de solution à alcool, ce qui est particulièrement intéressant puisqu'il ne faut jamais laisser sécher notre couleur entre 2 teintes pour pouvoir ensuite avoir un joli dégradé. Je vais donc utiliser ma pointe la plus grosse pour aller plus rapidement et repasser ainsi sur ma couleur précédente. Et je ne vais pas forcément attendre d'avoir fait tout le contour pour repasser par-dessus cette première couleur. Sinon, si l'alcool a séché, je ne pourrai plus malheureusement faire fondre cette couleur avec la suivante. Et je viens simplement repasser par-dessus, comme vous pouvez le voir, comme du coloriage, tout ce qu'il y a de plus normal. L'avantage, c'est que comme il s'agit d'alcool, les couleurs vont naturellement se marier entre elles. Et je vais pouvoir également passer le nuanceur où je le souhaite pour apporter de la luminosité. Vous allez voir que le nuanceur a pour effet d'ôter de la couleur et d'apporter des petites touches brillantes sur nos colorisations. Vous allez voir que lorsque j'ajoute mon nuanceur, tout de suite, la couleur va s'enlever. La solution décolore notre papier et nous offre ainsi une touche de luminosité très intéressante. Il nous faut laisser agir le produit quelques instants pour voir le rendu final. Une fois notre petit lapin colorisé et complètement sec,
Voici le joli rendu que nous obtenons, une colorisation très naturelle avec pour autant différentes teintes et différents dégradés, tout ceci grâce à l'utilisation de plusieurs couleurs, et nous retrouvons également des endroits beaucoup plus clairs, très lumineux, qui ont été réalisés justement grâce à l'utilisation du nuanceur. Une fois que notre petit lapin est prêt, nous allons pouvoir reprendre notre joli cadre que nous avons préparé tout à l'heure et commencé à décorer. Et nous allons, dans un premier temps, coller notre petit lapin en ajoutant de la colle multi-usage sur l'arrière, le positionner, le coller ici sur le bas de notre cadre pour obtenir ce magnifique rendu. Une fois notre petit lapin collé, la dernière petite touche au niveau de notre cadre central, nous allons positionner notre étiquette message ici sur le haut de notre fenêtre. Une fois notre message collé et positionné, comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci y apposer les dernières touches finales avec l'ajout de quelques petits bijoux, comme j'aime le faire, vous le savez très certainement. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de nos jolis bijoux oiseaux et libellules en métallisé doré qui sont déjà autocollants, très pratiques pour positionner un peu partout sur nos projets. Et je vais notamment utiliser deux d'entre eux pour coller au niveau de mon cadre central. Et je viens chercher tout d'abord ce premier oiseau que je vais fixer ici à droite de mon cadre. Et je vais utiliser un autre oiseau cette fois-ci dans une forme différente que je vais coller sur la gauche de mon cadre pour pouvoir ainsi obtenir ceci. Et enfin, la dernière étape, avant d'en avoir terminé, nous allons reprendre à nouveau nos jolies perles écloses et je vais utiliser à nouveau mes perles métallisées dorées. Je vais en positionner 3 dans le coin en bas à droite de mon cadre et dans le coin opposé en haut et sur la gauche pour marquer les deux extrémités. Vous allez le voir que c'est une petite touche mais qui va agrémenter superbement bien notre projet. Une fois ces petites perles ajoutées en bas à droite de notre cadre mais également sur le haut et sur la gauche, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé. Dernier projet autour du thème de Pâques de l'année 2024 avec toute cette superbe décoration très printanière à offrir ou à s'offrir. Je vous avoue que ce projet me plaît tout particulièrement. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes cadres. Ici, ma version précédente en couleur brune dune, ou notre version du jour, elle, en couleur grappe gourmande. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.